Alors aujourd'hui, démonstration, mythe ou réalité. On observe souvent des styles de coach. Par exemple, le furieux. Allez, bouge-toi, plus fort, tu peux le faire, allez. Ensuite, on a le colérique. Allez, tu fais de la merde. Arrête, fais pas semblant. Ensuite, on a le coach sympa. Allez, c'est bien, continue comme ça, tu peux le faire. Ensuite, on a le coach qui observe. Après, on a le coach pas content. La question que je vous pose aujourd'hui, pour toi, y a-t-il de bons ou de mauvais coachs? La réponse est ni l'un ni l'autre. L'importance de la motivation.